Eh bien, salut tout le monde, c'est la 2K, donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Black Ops 2. Donc moi, c'est Greg Lemon, vous l'avez peut-être reconnu, sans doute reconnu même. Donc on se retrouve pour le quatrième épisode, je crois, des trucs et astuces sur Black Ops 2. Donc aujourd'hui, on va découvrir la map Meltdown, qui est vraiment une bonne map, je trouve, pour les snipers ou pour les fusils à pompe, pour les mitraillettes, enfin, les bonnes pour tout, je pense, pour tous les modes de jeu aussi. Donc on va commencer directement avec le point C en domination. Pour le capturer, il n'y a pas vraiment de spot. Le seul petit truc, c'est se mettre à l'abri un peu derrière cette caisse là. Comme ça vous pouvez voir le fond, vous pouvez vous tourner. Et si jamais quelqu'un arrive, vous pouvez toujours vous cacher et revenir capturer un peu plus tard. Ensuite on va aller dans ce bâtiment. Donc pour monter à ce bâtiment, on peut passer par la porte. Il y a quelques petits spots par les fenêtres qui sont très connus, mais on ne sait jamais, peut-être que vous les avez pas encore vus. Donc on peut monter de ce côté, on casse la fenêtre. On saute dedans. Il y a toujours des snipers, on peut peut-être les prendre par surprise ici. On peut aussi passer par dehors par cette échelle. Donc on peut monter ici tranquillement, on s'accroupit et on rentre et on tue les gens qui sont ici. Ensuite on va aller... il y a encore un petit spot pour monter à la fenêtre qui est ultra connu mais on sait jamais. Donc vous montez sur ces barils rouges. Vous montez et il y a la même chose de l'autre côté, bon, je vous montrerai après. Ensuite on peut sauter là dessus si jamais, je sais pas, pour tuer les ennemis qui sont assez, je sais pas. Ensuite au niveau de ce pick-up blanc, donc si jamais par exemple vous devez être AFK pendant quelques secondes ou alors vous avez un killstreak, par exemple un Deathstar que vous commandez ou un Dragonfire, vous pouvez vous coucher ici et les ennemis ils viendront pas vous chercher ici je pense. Parce que si on passe ici, on voit pas dans le pick-up et franchement personne va regarder dedans. Donc c'est un petit bon spot si jamais vous devez vous absenter de la partie ou utiliser un score strike. Ensuite un autre petit spot, et pas très utilisé, enfin c'est pas un spot, c'est juste ça fait partie de la map, c'est pas utilisé. C'est qu'on peut juste passer en dessous de ces espèces de rampes là qui montent vers B. Donc ça peut être utile. Pour les snipers qui campent aux fenêtres, donc plutôt que de se mettre par exemple ici, là où ils vont vous attendre, vous pouvez le prendre par surprise en montant sur ce petit mur. Vous accroupissez doucement, vous montez et là, bam, vous le tuez. Et pareil de l'autre côté. Je vais monter sur le bon, voilà. Vous montez, vous accroupissez. Vous montez un peu et bam. Ensuite, pour capturer B domination, vous pouvez vous coucher simplement derrière ces gros barils et capturer. Donc les ennemis devront... souvent les gens se couchent au milieu, c'est vraiment facile de les prendre. En plus si vous avez une petite couverture contre les grenades, mais faut faire attention à ça parce que ça explose et ça tue tout ce qui est autour de B en fait. Ensuite des petits spots pour ce bâtiment là, ce grand bâtiment, une chaudière je sais pas. Par exemple en recherche et destruction, si vous avez planté la bombe, vous voulez regarder si elle est en train d'être défusée. Vous montez là dessus, vous sautez et vous pouvez regarder dedans. Pareil avec l'autre côté. Vous sautez et voilà. Par contre, vous n'avez pas trop de couverture par rapport à derrière vous. On peut vous prendre par surprise. Ensuite, on va passer justement à l'autre spot pour monter dans ce bâtiment. Donc, très facile. Voilà, vous montez là-dessus. Un autre petit spot. Aïe, je suis tombé. Vous pouvez sauter sur ces barils bleus. Vous mettez bien dans le coin. Voilà. Là vous vous accroupissez, les ennemis ne vous voient pas et dès que vous vous levez vous pouvez les tuer quand ils sortent de A domination là-bas. Donc c'est un petit spot qui peut être assez utile quand même. Ensuite un autre spot bon pour monter dans ce bâtiment, c'est la même chose que de l'autre côté. Vous montez, vous pétez la vitre. Ou alors pareil avec l'échelle de ce côté. Donc ça c'est ultra connu, je vous apprends rien ici je pense. Ensuite ce bâtiment il y a rien dedans, il sert un peu à rien je trouve. Enfin voilà. Pour capturer A, donc on peut, seul spot c'est assez plat, on peut pas trop se cacher. Seul truc que j'ai trouvé c'est se coucher sous cette camionnette, comme ça on peut voir les ennemis qui arrivent ici ou même au milieu. Par contre on est pas trop proche de ce côté, juste la petite benne verte qui peut vous protéger un peu. Ici le pick-up, donc même principe que le pick-up de l'autre côté pour vous cacher, pour lancer vos killstrikes ou pour faire une petite pause, je sais pas. Ensuite on va passer de l'autre côté, il y a pas mal de spots de ce côté. Donc par exemple, ici le QG en domination, il y a souvent, c'est dur de le défendre surtout parce qu'il y a beaucoup d'entrées possibles, il y a ici, ici, ici et derrière. Le meilleur truc c'est, vous pouvez aussi passer par derrière ce petite cabine là, donc ça peut être utile si jamais vous voulez contourner quelqu'un qui est ici. Vous pouvez monter sur ces barrières, si j'y arrive.
Voilà, vous pouvez monter sur ces barrières, vous accroupissez, vous êtes en couverture, vous vous levez, vous pouvez défendre. Donc c'est même pas forcément en QG, si des ennemis spawnent là-bas, qu'ils arrivent ici, vous accroupissez, vous attendez et vous les tuez facilement. Pareil, si jamais quelqu'un est sur ce petite plateforme en l'air là, plutôt que de monter, si par exemple il va vous attendre, il sera couché comme ça. Petit spot qui est très utile, vous accroupissez dessous, voire vous vous couchez, vous pouvez voir dessous et vous pouvez le tuer très facilement. Il comprendra rien, il va se dire mais qui c'est qui me tire dessus. Enfin voilà, un très bon spot. Ensuite, un autre spot, ça j'utilise tout le temps. Vous mettez derrière ce truc jaune, vous pouvez regarder à droite, à gauche, droite, gauche. En recherche et destruction, je fais tout le temps ça, c'est super utile. Enfin voilà. Ensuite, d'autres petits spots pareil de l'autre côté. Donc, ah oui, aussi on peut monter en haut de cette plateforme grâce à cette caisse rouge ici, la même chose. Je vais vous montrer. Voilà. On peut également se coucher dessous pour voir s'il y a des ennemis en haut. C'est un peu plus dur parce qu'il y a l'espèce de bidon d'essence, mais on peut toujours même voir dessous. Ensuite, oui, on peut. Ah non, on peut pas monter là-dessus, non. on peut aussi également passer là derrière. Donc ça peut être utile si jamais il y a quelqu'un qui est par ici. Enfin voilà. Un autre spot, donc vous pouvez monter si jamais les ennemis arrivent de ce côté là. Vous pouvez monter sur ces barrières et vous avez une petite vue si jamais ils passent comme ça. Franchement, ils vont jamais regarder ici, donc vous les voyez passer, vous les attendez et boum, voilà, très facilement, et ils n'entendront pas vous voir ici. On peut également faire la même chose ici, donc vous vous levez, vous vous sautez et après vous les tuez. Et le meilleur spot, c'est tout simplement monter sur cette barrière, faire attention à pas trop se décaler et pas aller trop loin, sinon vous allez mourir. Ah ben voilà, je fais des bêtises. Ah, on a spawné assez loin en plus. C'est pas grave. Allez. J'aurais dû mettre condition extrême, ça aurait été beaucoup plus rapide. Enfin, si vous arrivez à vous mettre, vous serez là derrière. Et vous verrez toute la vue ici. Donc c'est super utile, par exemple en recherche et destruction aussi. Allez, on va essayer de pas faire de bêtises. Ah bah bon. J'arrive pas à passer, c'est vraiment au millimètre près qu'il faut monter. Enfin, une fois que vous êtes couvert dans le grillage, il y a peu de chances que l'ennemi vous voit. Et vous le verrez très facilement, vous pouvez même tirer à travers. Vous le tuerez super rapidement. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup de spots sur cette map. Mais il y en a quelques-uns sympas comme celui-ci, les pick-up blancs ou alors le grillage là-bas. Pas mal de petits spots sympas qui pourront vous être utiles. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris des choses. Je vous invite à laisser le petit pouce vert qui fait plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos qui arrivent. Donc pour le moment je sais pas trop ce qui arrive, mais il y aura comme d'habitude du Minecraft, du Black Ops 2. On va essayer de faire une vidéo sur d'autres jeux parce que Cobra a enfin acheté Left 4 Dead 2. Il a aussi changé de micro, donc ça va être mieux pour les vidéos parce qu'il avait un micro qui était une qualité vraiment pas géniale. Il a un Triton je crois, bon... Voilà, il a bien... comment on dit déjà, enfin, il a payé pour améliorer sa qualité, quoi. Donc, on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, à plus tout le monde. Et aussi, on se rapproche des 50 abonnés, c'est super, merci à vous.